Bonjour monsieur, je m'appelle Victor Iragibishikwabo, je suis le coordonnateur de la station Hope Itself in Actum, espère en toi et dans tes actions. C'est une ASBL qui vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population dans la promotion du développement économique et social ainsi que culturel. Nous œuvrons dans différents domaines, nous travaillons dans la sécurité alimentaire et l'environnement. L'environnement, nous voulons la protection ainsi que la gestion de l'environnement. Nous accompagnons la jeunesse dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de leadership, formation de leadership. Nous avons songé à inviter différentes personnalités pour nous parler de différents points cruciaux, entre autres l'environnement, l'entrepreneuriat, la sécurité. Nous avons même invité le chef de quartier qui va nous parler dans quelques minutes de l'état administratif du quartier Tupanzi. Nous avons songé à inviter le recteur de l'IEA, le professeur Mshagalusa Natigira, qui va essayer de nous donner une aperçu sur comment nous pouvons gérer le déchet ménager à Panzi, les ordures ménagères, et comment nous pouvons encore une fois replanter les arbres et ornementaux à Panzi. Donc, comment recréer l'environnement propice à la vie à Panzi, si c'est possible, bien sûr. Nous avons appelé un jeune entrepreneur, gentil Boindoua Tito. Il va nous montrer de l'opportunité que le quartier Panzi nous offre, qui peuvent nous permettre, en tant que jeune, de créer de l'emploi. Nous avons invité l'honorable René, étant le rapporteur provincial de la sécurité. Il va nous parler de la sécurité à Panzi, parce que nous avons une forte agglomération. Mais lorsque nous voyons combien de policiers mis à notre disposition sont inférieurs par rapport à la population. Au travers de différentes formations, séminaires et conférences, nous travaillons dans la relance économique. Là, nous ciblons particulièrement les mamans ainsi que les filles. C'est la population qui intervient normalement et beaucoup dans nos familles ici en Afrique. Donc, nous accompagnons les femmes, filles et mamans. Nous avons ciblé premièrement le quartier Panzi. Pourquoi le quartier Panzi? Car ce quartier devrait être actuellement une commune. Parce qu'au-delà de 10 000, comme le demandent les gens de l'urbanisation, au-delà de 10 000, c'est plus un quartier. Mais chez nous, actuellement, nous avons plus de 300 000. Et le fait d'avoir plus de 300 000, cette population a de l'impact sur les... Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes Hope Itself. Nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup de défis à relever ici chez nous à Panzi, entre autres les problèmes des déchets, les problèmes des routes, les problèmes des caniveaux. Il y a beaucoup de problèmes, mais il y a même le problème des réchauffements parce qu'il y a des arbres qui ont été coupés. Et nous œuvrons aussi dans l'agriculture, nous œuvrons au village avec la population. Nous accompagnons la population à Nyangezi dans les cultures maraîchères. Nous produisons avec la population, nous avons même. Nous luttons même dans cette même agriculture-là, nous avons des plans sur la sécurité alimentaire. Nous avons accompagné beaucoup des populations rurales là-bas où nous avons distribué même des semences dans la production des pommes de terre, haricots, maïs. Et actuellement, nous avons jugé bon de nous regrouper ici dans cette salle avec la jeunesse de Panzi pour créer ces cadres de concertation. En fait, l'objectif de celle-ci est de créer un cadre où les jeunes seront libres d'exprimer la volonté de contribuer au développement de notre pays.